vous déchirez ma parole. Ça va ou quoi? Privé, moi aussi, c'est mon anniversaire demain. Coucou, Edouard, t'as mis une perruque ou je rêve? Non, c'est pas parce que c'est ma vraie chouette, je m'appelle Kala, ça va ou quoi? T'es dérangé, ma parole. Ma vie, t'es dérangé. Ça date, mais d'où, Néo? J'étais plus sur Snap. Toi, tu veux des cadeaux? Non, Wallon, je veux du coca. Tu cherches quoi sur l'application? Une femme, un homme beau gosse, un petit ouais. Ou un homme sérieux? Moi, tu sais quoi? Avec toi, je pourrais être. Pour moi, t'es le beau gosse. Tu peux être mon plan cul et tu peux être mon sérieux aussi. T'as tout. Tu reprends tout. Ouais. C'est vrai, t'as monté un tic-tac. T'es un beau gosse. T'appelles Kira. J'ai envie de. T'es malade. Regarde. Il a mis une perruque et des dents, wesh. Oh, t'es dégoûtant. T'es la vie de ma mère, c'est match parce que ça m'excite. M'appelle Kerlak, t'es jolie. J'aime beaucoup quand tu mouilles de la bouche comme ça. Ça m'excite. Oh oui. C'est bon la crache. Je vais faire le bisou avec toi. Moi, j'ai envie de coller mes dents contre les tiennes. C'est mon grand dream, là. Montre-moi tes... Oh, t'es sexy, toi. Ouh. Je vais t'accepter. Alors, vous, bande de volos, mais on peut être moche et avoir des amis, des copines-filles. Bande de voilà. Courage. Voilà, merci. Volos. Je suis pas d'accord. Michel. Coucou, Michel. Salut, jolie. Mais non, il m'a... Merci pour le match. Est-ce que qu'il a mis les bricoleurs? J'aime les bricoleurs. Ok, Craven, je vais leur dire ça. J'ai très envie de te percer. Ouh, vas-y, viens me percer, chérie. Oui, montre chérie. Montre-toi à la caméra. Tu veux que je t'excite juste que je te montre mon visage? Oui, ma belle. Mouah, fais le bisou. Qu'est-ce qui se passe, là? Mike. Arrête, je vais zigzag. Il s'est passé quoi? J'ai pas vu. T'es vraiment très belle en tout cas. J'ai pas vu. Il y a eu rien. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Michael, viens chez moi, Michael. Viens chez moi, Michael. Tu veux que je vienne chez toi? Viens, ouf. Je te dépousse, Michael. Ah oui. Je vais te mettre ma grosse perceuse. Il est pas mal CRP. Bien joué, Michel. Viens là. Je vais te démonter comme un meuble Ikea. Ah, mais crampé. Non, j'ai pécho. Maman, j'ai pécho. Maman, il a j'ai pécho. Pécho. Il a pécho. Il y a des malades aujourd'hui sur le bout, je comprends pas. Depuis toi, moi non plus. Ouais, c'est du la frappe, c'est du jaune. C'est du champagne. Ouais, c'est non, à part ça, à part lui. C'est non. Tout fonctionne. Non, franchement, on est là. Avec le Marseillais, tu vois. Non, on est là, tranquille, tu vois. On boit un petit coup, tu vois. Oh, je vais le terminer. Et demain, ça taffe. Ouais. Oh, j'ai envie de m'arracher les cheveux, là, les gars. Ah ouais. Wesh ouais. Ouais. Edouard, t'as enlevé tes dents? T'as enlevé ta perruque et tes dents? Tu m'entends bien? Ça va te le donner, là. Ouais, l'autre fils de pute, là, de mai 2004, là, de mes couilles, là. Qui commence à parler mal, là. Avec son copain, là, l'autre clochard, là. Non, pas de gros pas les mamans, s'il vous plaît. Non, non, qui me casse pas les couilles, casse pas. Parce que non, mais je le connais, j'ai déjà croisé sur un autre live. Qu'il aille bien se faire foutre. Ok. Melka, là, parce que tu. Non, non, mais Melka, il fait le malin, etc. Là, on est là, toi, t'es bonne ambiance. Toi, t'es une fille bien, tu vois. Mais les mecs comme ça, qui se la racontent à rabat-joie, qui partent comme ça, qui vont, gros, qui ferment leur gueule, qui ferment sa gueule. Pardon, je te laisse la parole. T'as le droit d'intervenir juste après. Et l'autre pyjama là, l'autre qui a à peine 15 ans et qui veut essayer de draguer une meuf. Laisse-la tranquille, elle anime tranquillement son émission. Venez pas à la faire chier. Cassez pas les couilles. Sérieusement. Voilà, j'espère que voilà, j'ai remis les points sur les T, les I sur les I là, je sais pas quoi. Moi je suis de Créteil. S'il y a un problème à régler, je suis de Créteil. Qui vient à Créteil. Toi tu vas trop loin pour descendre le vous là, voilà. Arrêtez de non, mais ça me gave. Parce qu'en fait je l'ai croisé dans d'autres lives en fait. Il est là pour faire l'intéressant. Il fume du shit en plus. Regarde la cigarette, c'est de la drogue. C'est de la drogue. C'est un drogué ce mec. 9-4-0. 9-4-0. What? En fait, on parlait de thunes, en fait, les gars. Moi, je veux pas d'argent. Juste, le reste, je te les donne gratuitement, mais je te bouffe la schneck. Juste, je te demande juste ça. T'as de quoi payer? Encore une fois, non, t'es mais, d'argent. Je te bouffe la chatte et toi, tu prends mon rein. Non. Je te prends ton rein et tu payes ma tèche. C'est bon ou pas? Quoi? C'est donc ça, les... Défaut aujourd'hui, ma parole. Écoute pas les autres bouffons là qui sont en train de parler mal. L'autre, parce que là, il détracte ce guignol de base. Tu peux voir ton PC, s'il te plaît, Edouard? Bah ouais. Eh, merci, tout Nicolas. Je veux voir. Regarde. Franchement, merci. Moi, franchement, vous animez mon live. Hein. Moi, je kiffe. Hein, je mon PC, regarde, tu vas voir, il est éteint. Puis ils vont te dire des conneries. Regarde mon PC, il est là. Ouais. Regarde. Mais ça, c'est une télé, ça? Non, c'est un écran, regarde. Dieudonné. Eh, mais tu ressembles à Dieudonné, on te l'a déjà dit ou pas? Ouais, je sais. Mais par contre, évite de prendre trop la confiance parce que moi je t'aime bien à la base. Donc, l'autre.
Donc écoute-moi, l'autre guignol qui est en train de me détracter, en train de parler de moi, Edouard. Déjà, tu me connais pas. T'es certainement un mec de bon oeil. T'es pas un mec de Créteil. Un mec de Créteil, ça fait pas ça. T'es un clochard. Donc retourne dans ton foyer et arrête de me casser les couilles. Et parle pas de moi. C'est un life fun. Elle est gentille comme tout. C'est une belle Renoir. Sa pote aussi, c'est une belle Rebeu. On les apprécie comme il faut. Tout se passe bien. Donc maintenant, ferme ta gueule et arrête de me détracter. Sinon, je te crache à la gueule. Non, mais oh. C'est quoi un prank, les gars, ouais. Un prank, elle a demandé c'est quoi un prank. Voilà, je sais pas c'est quoi un prank. Ouais, je mets des enfants ici. Je sais pas ce que c'est qu'un prank. Vas-y, tu te casses les couilles, sérieux. Ça me casse les couilles, sérieux. Dans la gueule. Pas bien. Arrête de rigoler. Je voulais savoir là. Mais non, mais tiens, laisse, arrête de virer aussi. T'es en France là? Quoi? T'es en France? Non, je suis au bled. Laisse avoir là pour faire le voyage là avec le corona. C'est possible d'arriver en France avec la matière, le papier là. Ah, parce que tu crois que je suis policière? Non, c'est-à-dire que j'ai pas dit ça là. Je voulais savoir pour rentrer en France. Je peux pas te dire, appelle le consulat, fais quelque chose, je peux pas te dire. Viens à la maison, tu viens là. Après, on peut prendre le billet et arrêter la connerie. Ah, d'accord. Et tu crois que moi, je veux d'un sans-papier? Je ne demande pas ça, là. Je veux voir la femme comme toi, là. Tu viens avec la cuisine, tu viens faire la femme avec moi. Après, on part en France tous les deux, là. D'accord. Non, mais t'es pas du tout mon style. Mais comment? Je suis beau garçon, là. C'est comment ça? Ah non, t'es pas du tout beau garçon. Ah non, j'explique, t'es pas du tout beau garçon. Non? Ah ouais, bonsoir, excuse-moi. Dis, je voulais savoir, moi j'ai un tout petit pénis. Et... non, toi, tu peux pas savoir. Bon, bah dommage encore. Bah, Unban. Mais non, BKO. Mais non, BKO. Mais non, mais il y avait des vrais stars. Il y avait encore BKO. Mais non. Gros souffle folle. Mais non. Prends ce BG. Je pouvais te poser une question vite fait là. Ouais. Ouais, tu vois, c'est à la mode les trucs là, comme les vaches là, sur le nez là. Bah j'en sais rien, pourquoi? Non, parce que ça fait un peu moche, toi tu ressembles à une vache un peu avec le truc. Mais non, mais pas ça. Toi tu ressembles à un porc. Tu vois là, un porc? Non, ouais. Tu peux pas dire ça à un arabe, pas un arabe comme ça. Excuse-moi, mais toi tu ressembles à un porc. Tu vois là? Voilà. Eh, je vais te gros soucol, de gifler ta mère, comment mais ça non, un mais... porc? C'est bizarre parce que quand tu m'insultes, je dois rien dire et fermer ma gueule. Par contre, moi quand je t'insulte, tu l'ouvres. Voilà, dis. Mais c'est comme ça, la vie, c'est Thomas, wesh, c'est la vie. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Désolée. Je t'ai pas insulté. J'ai dit juste, voilà, le truc des vaches et tout. Je t'ai pas insulté. Voilà, j'ai juste dit que c'est à la mode, le truc des vaches. Bon, BKO, il faut que tu précises, là, mec. Attends, mais t'es sérieux? C'est pas comme ça qu'on traite les femmes, BKO. Il faut les complimenter, les caresser dans le sens du poil, BKO. Les scoops. Circoncier. Un truc que tu pourras apprécier. Tu demandes à qui, là? Parce que le seul book que tu verras, c'est celui de ta mère, quoi. Quoi? Elle est clash, ouais, hein. T'as bien fait de répondre comme ça aux immigrés, hein, parce qu'ils commencent à en avoir marre de ceux qui veulent les papiers. Hein. Très méchant. Bah c'est vrai quoi, il y en a deux qui passent directement, il y a le premier qui te dit que tu ressembles à une vache, et les autres qui voulaient juste te péter le fion. Faut pas généraliser. Ouais, mais en attendant, là pour l'instant, hein... C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais ils sont pas tous comme ça, enfin, faut les trouver. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faut les trouver. Combien de pourcents? Quoi le pourcentage? Tu dirais quoi? Je sais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Comme des talopes, et pourtant c'est pas raciste. Voilà les gens. Ouais. Moi je dirais au moins 80%. 80%. Putain. Tous ceux du métro déjà. Non? Quoi? Tous ceux du métro? Non, mais je dirais rien parce que moi je suis pas... Ah ok, tu diras rien parce que tu as peur. Non, c'est juste que je suis pas raciste. Ah oui, mais donc dis-le alors, combien de pourcents? J'en sais rien. Bah si, tu le sais, bien sûr. Bien sûr. Il y avait quoi? Je sais pas, enfin combien de il y a sur Terre donc. Combien de il y a sur Terre? C'est facile quand même. On est 7 milliards, ils sont 4 milliards. Mais après sur les 4 milliards. Beaucoup. Oui, qu'est-ce qui quoi? Ah. J'adore. Il est beau ton masque. Baby. Tu sais que j'adore les personnages d'horreur. Baby. Moi, les personnages d'horreur comme ça, je leur fais des câlins. Mais mon préféré, je suis désolée, c'est Freddy Krueger. Tu m'entends? T'as une perruque? Je t'entends pas là. Ah, si, c'est bon. T'as une perruque? Hein? T'as une perruque sur la tête? Non, il y a mes racines, regarde. Non, c'est une perruque.
J'ai fait un lissage brésilien. Vas-y, enlève, lève le truc, là, comme ça. Bah si je le fais, alors toi aussi tu lèves ta... que t'as sur... Ah bah c'est très bien comme ça, sans la frange, pourquoi tu fais cette mode de putain frange qu'on a connue dans les années 2000? J'étais obligée. Tu mérites beaucoup mieux. J'étais obligée. Mmh, d'accord, très bien. Je te laisserai voir ma racine ici, regarde. C'est une perruque. Non, c'est des extensions. Bon, on va pas débattre de ça. Moi je voulais parler surtout à Lara Bajoie juste avant. Depuis quelques temps, tu les vois, ils sont dans nos villes, dans nos campagnes. Ils sont là en train de prendre nos femmes. Alors qu'au final, ces mecs-là devraient tout à fait rester dans leur zodiac et arrêter de nous embêter, de nous faire chier. T'es pas d'accord avec moi? Non. Bonsoir. C'est qui ce guignol, là? Bonsoir, Averro. Comment tu vas? Pensez-vous de la carrière de, d'un très, très grand footballeur, Moms on the Gums? Ah, tu m'as pris dans... T'as cru que je travaillais pour l'équipe 21 ou comment que ça se passe? Oh, ce beau gosse. Allo, allo. Oh là 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 là. Salut. Oh putain, Justin Bieber. Salut, ça va ou quoi? Attends deux secondes, je mets une petite casquette parce que je suis pas coiffé. Hop. Vas-y, vas-y. Tu vas bien? Ça va, j'ai juste avalé dans le mauvais Ouais, coup. avale bien. Ah, ça va. Ah, quoi de beau? Eh ben écoute, ravi que tu sois parmi nous. Bah moi, ouais, je suis content aussi. Bah en fait, j'ai vu que depuis tout à l'heure, je te regarde et tout, je vois que t'es... Ouais, j'ai un petit coup de cœur, je vois que t'as de l'humour et tout, je me suis dit, vas-y, bah autant faire ça... Enfin, autant faire ta rencontre, quoi. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est gentil, tu viens d'où? Il est trop chaud. Je viens de Paris, et toi? Moi, de Metz. Mais t'as 31 ans? Sérieux? Ouais, j'ai 31, ouais. T'as quel âge? Moi, j'ai 34. Ça match, va, go match. Tu fais quoi dans la vie? Je suis proctologue. Hein. Ok, d'accord. Et toi? Moi, je suis mannequin pour une marque de vêtements. Ah ouais? Pour quel type de vêtements? Pour Lacoste. Sérieux? Ouais, ça fait 3-4 ans, enfin ça va faire 4 ans là que je fais ça et ça se passe bien quoi. Et t'es arrivé à en vivre? Ouais, carrément. Ah, c'est cool, hein. C'est cool ouais, parce c'est que bon, cool. Melkina, malheureusement, ça perce pas quoi. Non, non, là franchement, c'est cool, j'ai pas à me plaindre. Oh, il est beau, non, c'est sympa. Du coup, t'as toutes les fringues gratos quoi. Ouais, toutes, ouais. Tout ce que t'essayes ou que tu portes, voilà, pour tes shows, c'est attends, pas tu veux remonter en cam normal ou je relance le next date après? Ouais, renonce. Bonjour Greg. Bonjour Greg. Salut. Je vais voir ton côté obscur. C'est vrai que t'es proctologue? Oui, je suis proctologue. J'ai envie de me faire fouiller le cul, là. Quelle violence. Hein, tu fouille-moi le cul, fouille-moi le cul. Oui, alors je relance le next date. C'est bon, Hacker, redonne-y. Si tu veux remonter, Hacker. Quoi? Quoi? Ah, bah, j'avais plus de batterie. Je me suis dit, ben mince, le truc il a coupé, je te proposais, j'avais relancé le next date pour que tu remontes, et puis je me dis, ben il s'est barré, il a fait sa pub, il s'est barré. Non, c'est good. Mais qu'est-ce que je veux dire, moi, vu que je vais pas devoir tarder à partir, je voulais savoir, parce que je connais pas trop l'application en fait, donc pour se contacter, c'est comment, faut qu'on fasse un truc, faut qu'on valide quelque chose ensemble sur l'application, et après on peut s'envoyer un message ou... Eh ben, si je te fais un cœur, là, tu vois, comme ça... Eh ben parfait, nickel. Eh ben là, en fait, on a la possibilité, tu as la possibilité de m'envoyer un message, gratuitement. Ok, super. Moi... Je t'envoie un message dans la soirée et puis voilà quoi. Bah, ravi de. C'est trop fort, les mecs. Au plaisir, et puis... Quel meilleur chez les mecs. Passe une bonne soirée et attention à toi. Eh, par contre, si on fait connaissance, c'est uniquement en cam. Hein. Moi, j'aime pas les écrits, ça m'emmerde. Hein. Moi, je préfère face to face. Si tu veux, y a pas de problème. Donc, je t'appelle en cam d'ici bientôt. Ok, d'accord, ça marche. Pas de soucis. Appelez-moi Mickaël Laudrup. Prends cette passe. Merci, toi aussi. Dans l'intervalle en profondeur, appelez Mickaël Laudrup. Oh putain. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, vraiment quel meilleur chute. Applaudissements à Kerr, à tous les détracteurs qui ont dit ouais à Kerr, petit p. Fermez tous vos gueules, maintenant sucez-le dans le chat. Sucez-le, tous un par un, je veux des clap. Et voilà. Et quelle meilleure chute, c'est que ça reste quand même mon émission. Merci à tous de m'avoir suivi, merci pour les clap pour Kerr. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, la vie est une fête et Kerr, on compte sur toi, franchement. T'as plus qu'à. Je t'ai envoyé la balle en profondeur. Qu'est-ce que tu vas me faire de ce ballon? À vous de lui demander, à vous de lui dire, lui demander dans le chat. On verra bien. Dans la lucarne, peut-être une frappe. Hein, au millimètre, tu me soignes ça. Hein. Prenez soin de vous, les gars. Je vous aime. Ciao, ciao.